Le béton d'argile, argilus, est un produit à base d'argile, de sable, de silicate d'alumine hydraté et de gravillon. Il est destiné à la réalisation de dalles d'intérieur comprises entre 5 et 15 cm d'épaisseur. Il est élaboré et fabriqué en Vendée sur le site d'exploitation Argilus. Le béton d'argile a pour principale qualité l'apport d'inertie thermique dans l'habitat. Il amplifie également le déphasage thermique et joue un rôle non négligeable dans la régulation d'humidité et l'absorption des sangs. Les courbes granulométriques des sables employés et la faible quantité d'eau ajoutée au mélange lui donnent une compacité maximale. Pour une efficacité optimale du béton d'argile Argilus, il est nécessaire de bien préparer votre support. Il s'applique en règle générale au rez-de-chaussée des habitations sur un hérisson de gravillon ou sur des panneaux isolants. Vous trouverez la fiche technique détaillée avec un schéma de principe sur le site d'Argilus. Sur un support tel qu'un hérisson de gravillon, veillez à la bonne stabilité et régularité du sol avant de mettre en place le film de protection Argilus. Lors de la mise en œuvre du béton d'argile, munissez-vous des outils indispensables. Une bétonnière de 350 litres ou un godet malaxeur, un seau de maçon de 12 litres, une règle à tirer avec son niveau, un râteau, une taloche. Le béton d'argile est conditionné en sac de 35 kg. Le gravillon Argilus, spécialement conçu et indispensable pour le mélange, est disponible en big bag de 1 tonne. Pour un sac de 35 kg, il faudra ajouter 2 seaux de 12 litres de gravillon Argilus et 4 à 5 litres d'eau maximum. Incorporez en même temps le béton d'argile et le gravillon. Humidifiez le mélange en respectant scrupuleusement le dosage. Si la quantité d'eau est trop importante, un risque de fissuration du béton pourrait se produire. Le béton d'argile s'applique quasiment comme une chape sèche. Malaxer de 5 à 8 minutes maximum pour obtenir un mélange très consistant, légèrement visqueux, mais surtout pas fluide. Appliquez le béton d'argile sur une épaisseur de 5 à 15 cm maximum à l'aide d'une règle simple. Travaillez à reculons par passes successives de 50 cm et talochez le béton d'argile au fur et à mesure. Compte tenu de la faible quantité d'eau, le temps de prise du béton est d'environ 24 heures. Cependant, il faudra 3 semaines pour obtenir un séchage complet. La fabrication du béton d'argile Argilus produit peu de déchets, nécessite peu d'eau et d'énergie grise. C'est un produit facile d'utilisation, entièrement recyclable et de fabrication française. Ça reste naturel, tout en étant solide comme le béton, voilà. On a le temps de l'employer, c'est vrai que... Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas salissant, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas de bottes, on n'a rien du tout, quoi. Juste bien dresser la règle, quoi, comme une chape ordinaire, mais c'est quand même moins dur. L'argile, elle va permettre de garder la chaleur et en plus de la diffuser. Donc, ce qui est quand même avantageux.